Hey, salut Tenno pour cette troisième partie de la mission du Second Dream, toujours avec Fauche. Salut. Non, voilà, tu voulais plus dire bonjour, vu que... En fait, ton micro s'est coupé, du coup, je n'ai pas entendu la fin de ta phrase. Ah, ça... Bon, ça vient de TS, logiquement le record a pas dû bugger. Donc, rappelle-nous un peu ce qu'on a appris précédemment dans les précédents épisodes. Previously on Précédemment, Warframe. The Second Dream. Unho a fusionné, enfin fusionné non, envahi l'esprit de Lotus et en a tiré certaines informations, notamment sur nos vulnérabilités, et a envoyé du coup le Stalker afin de nous éliminer en l'utilisant. On apprend par la suite que Unho est un sentient et qu'il ne peut pas y aller sans... Enfin, que Unho est avec les sentients et que les sentients ne peuvent pas aller dans le vide. Et donc que notre vulnérabilité se trouve sur la lune qui allait dans le vide, c'est pourquoi il a besoin du Stalker pour l'y emmener et nous détruire. Et par la suite, donc on poursuit le Stalker pour empêcher ça, et par la suite on est obligé de sortir la lune du vide pour éviter sa destruction totale par le Stalker. Mais du coup ça nous rend vulnérables aux sentients. Voilà à peu près Et du très vite coup, résumé. voilà le décor que ça nous donne. La Et on est lune toujours en après le ruine à côté Stalker de... qui est toujours après notre vulnérabilité du coup. Voilà. Et donc, on va sauver le réservoir sur Voilà, l'UA. Donc vulnérabilité à plein le réservoir. tout simplement parce que l'UA c'est le nom de la lune. Et c'est une mission solo. Donc on va la faire en On va la faire synchro. en même temps. Voilà. Tu me dis dès que t'as le bouton dessus. Pardon. Hop. Sur le bleu. Alors single player, bah je suis obligé, oui, je suis pas aussi. Go. 1, 2, 3, clic. Donc forcément, comme c'est une quête cinématique d'histoire où Tu on va commences prendre avant moi comme notre... tu charges avant, hein, mais bon. Ouais, bah tu me diras quand tu seras... Hop, ça vient de finir charger. Dès que t'as posé le pied sur la... Hop, c'est bon. C'est bon pour toi? Ah ouais, c'est bon. Allez, bah c'est parti. Là, j'ai allé laisser les dialogues. Donc moi j'avance tranquillement l'histoire de voilà au moins de finir les dialogues. Donc voilà, on sait que le réservoir est ici et que il faut absolument pas qu'il soit détruit, sinon on aura des problèmes. Voilà. On entend des sentients qui arrivent. Je crois qu'ils sont derrière moi, c'est ça. Faut qu'on les combatte ou pas? Messieurs. Y'a quoi? Faut les combattre ou pas? Moi je vais le combattre en tout cas. Ouais, non, 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 pas le tourbillon. Aïe, aïe, aïe. Ah moi il a engagé direct avec le tourbillon. Aïe aïe aïe. Aïe, c'est quoi ça? Aïe, je suis bloqué, 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 je suis Ah, bloqué. c'est bien, ça fait un retour biol. Moi je l'ai détruit, donc j'attends que tu aies fini. Non, c'est pas le tourbillon. Il m'a bloqué dans un coin. Ah oui, mais ça arrive, ça fait mal. Oh, ce combat Bon, tu as d'attardé. fini de le rétamer. Aïe aïe aïe, bon bah là il est en tourbillon là en plus maintenant. Ah mais je suis tellement bloqué dans le coin qu'il arrive pas à venir me chercher. Oh, c'est ridicule. Non, toujours pas. Chef Et il y Charogne. en a un autre qui est venu me chercher comme Non mais. Ah voilà, j'ai réussi à me débloquer. Ah, moi il y en a un autre qui est venu me Oui, chercher comme tu as un peu traîné. non. Désolé, désolé, je viens de buter le de. Je Les gens sais. sont témoins que c'est pas de ma faute. Je vais le dégager, il est quasiment mort. Ah. Voilà, carrière qui a fini avec un bon coup de sniper. Oui. Donc là Allez. je suis dans la salle avec les espèces d'arbres là. Et Oui, les c'est bon, bah moi esprits. aussi, Bon voilà, en nickel. avant. Et les esprits de sentients qui se baladent. Bon moi j'y vais vraiment tranquillement pour qu'on puisse profiter de la Voilà, mort. les voix toujours. Je veux vraiment pas aller trop vite, qu'on puisse vraiment profiter. Fité. En général, un bruit comme ça pue le pâté. Voilà,
vraiment, la zone est en ruine, hein. Ça peut être une base des corrompus, enfin des Orokin. C'est vraiment le gros Voilà, bordel donc là-dedans. Argulis a été condamné à mort. Toujours pas trop pourquoi, enfin. Pas trop pourquoi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a, elle a mis son l'amour en avant, avant son devoir. C'est que les Orokin l'ont considéré comme une corrompue. Et l'ont condamné à mort. Et là, je sors de la salle avec les armes. Ouais, moi je suis dans. Là où t'as l'espèce de lune bizarre au milieu là. Lune bizarre au milieu. C'est Oui, je suis une passé grande. cette salle déjà. D'accord. Elles viennent de parler de la transférence, moi. Ah bah. T'as passé la deuxième grande porte? Première grande porte, ça. Bah la première, la deuxième après celle du tout début, je parle. Donc oui. Oui. It's about the other rejects we consigned to Lua a few years ago. Ah oui, d'accord, l'espèce de. They're calling it transference. Okay. Hop, voilà. Oui, toi tu dois y aller en mouvement. Oui, cette salle je ne la connaissais pas sur la lune. Elle n'est pas. C'est pas par là. Ah, toi aussi t'étais en mode noob. Hop, c'est en haut. Aïe. J'ai là un où il y a caillou un qui a grand failli me globe, tomber ça sur la fait un grand tronche. globe moi. Hop, en haut. Hop. Tu l'as passé déjà ou. J'ai pas regardé Bon, une t'as salle peut-être qui pas regardé était l'air quoi. ouverte. Ouais. Façon, on se stoppera. Important. Bah moi je stoppe là, j'ai tendance que je reconnais la zone là où t'as la une Ah, bon, cascade d'eau qui tombe. je viens de trouver le. Je viens de trouver l'escalier pour descendre. Ah! Non, le censeur, tu me forceras pas à aller à la suite de la cinématique. Et moi, je suis là. Bah Je suis attends, aussi. j'ai un. Ah, quoi que je vais pouvoir avancer, au pire ça le fera disparaître. C'est bon, on peut. Oui, on peut. De toute façon, moi, je Vas-y, suis. avance. Et voilà, début de cinématique. Cinématique aussi. C'est pour ça qu'on a pris des belles frames. Blue screen. Dream, not of what you are, but of what you want to be. Hesitate, Shadow, but remember your despair. This is your only chance.
hatred is too weak, Shadow. Mine is strong. My fragments will finish this. Je viens de finir mes cinématiques. Ah oui, je suis en train de porter le. Operator, you're awake now, but you're more vulnerable than ever. Get back to your ship now. Et là, on sent que le Stalker hésitait, donc il ne connaissait pas tout non plus. Il ne connaissait pas toute la vérité, que tout ça, ça l'a fait réfléchir aussi. Et là, on découvre que le. Et là, du coup, ben, moi, je suis en marche vers le. Mais toi aussi, ta frame, elle comment ? Elle rampe ? Elle marche accroupie ? Oui, oui, elle marche accroupie, oui. D'accord. Tu ne peux pas courir, tu peux rien faire. Tu peux juste attaquer avec l'opérateur. Voilà, et donc du coup, voilà, donc la vérité, c'est que... C'est qu'on n'était que des robots. Contrôlions des armures. Et justement, ça confirme aussi le fait que Stalky est une Warframe et qu'il se rappelle... Enfin... Qu'il comprend qu'il y a un truc qui cloche, quoi. C'est soit... Et qu'il comprend que, voilà... Bah, c'est soit j'ai raison et qu'il connaissait le secret et qu'il s'est rappelé ce que ça lui a fait de sortir de... là, soit... Non, soit c'est toujours une Warframe qui est devenue fou. Enfin, soit c'est toujours une Warframe qui est devenue fou et qui est toujours dans le... Voilà, et que je pense que c'est plutôt ça et qu'il s'interroge toujours sur... Et c'est surtout okay. Que détruire le détruire le réservoir détruire le réservoir lui permettrait également de détruire son opérateur et donc de sortir de ce qu'ils appellent ce désespoir qui est l'immortalité de la Warframe. Parce qu'en fait une Warframe détruite c'est juste tu détruis l'armure, t'en reconstruis une autre, tu la contrôles et basta quoi. Alors que si tu tues l'opérateur, forcément. Alors que si tu tues l'opérateur, tu sors de ce cycle d'immortalité. Bon, c'est là où tu découvres que ton opérateur est complètement fumé. D'ailleurs, est-ce qu'on peut ? Non. Il y a la barre on de chargement de l'attaque. Tension, là. Hop. Mais là, on comprend que voilà, la machine elle est vraiment là pour amplifier le. Tu me dis dès que t'es prêt à sortir, je suis à 10 mètres de l'objectif là. Ah oui, toi t'es. Ça va, j'arrive dans le dernier hall là. Ah, encore des tensions. Ouais, là tout de suite on comprend que pour l'opérateur, contrôler la frame de près sans aucun dispositif, c'est pas le truc le plus facile. Tu peux pas marcher correctement, tu peux pas combattre. Non, parce qu'en fait tu la diriges entre guillemets manuellement. Oui, voilà. Maintenant tu n'as plus le. Voilà. T'as plus l'ordinateur, t'as plus le joystick là, c'est. C'est t'as quatre fils qui sont accrochés aux jambes et aux mains et basta quoi. T'as plus un ordinateur avec un joystick, une souris, un clavier au pied et... Par contre ils commencent à m'énerver les anciens métiers de fuir là. Même si ils sont devant le pote d'arrivée, donc je suis obligé de les latter. Voilà. Et voilà c'est là. Et je suis à 20 mètres là de la ah, fin. Ah tu me dis dès que t'es à 10 mètres et on... avance. Allez go. Et voilà. Mission terminée. C'est là où on comprend qu'il y a un truc qui change quoi, parce que à ce moment-là, on croyait qu'on était des personnages. Ouais, vas-y. Que l'armure, la Warframe qu'on contrôlait était un personnage normal quoi, et pas un robot contrôlé par quelqu'un. Et donc là, on va découvrir. Une nouvelle salle du vaisseau qui se sera ouvert que à partir de la fin, enfin que à partir de ce moment-là de l'histoire. Faut juste demander de descendre dans la salle au fond du vaisseau. Je suis prêt à passer la porte. J'ai passé la porte, pardon, j'ai pas attendu. Ok. Et là. Aïe. Le Stalker veut quand même nous tuer. Il a hésité, mais au final il revient pour essayer de nous tuer. Et on peut utiliser les pouvoirs du Tenno pour renvoyer ses attaques. Et là, en essayant donc, d'avancer. Ne pas essayer de le tuer, ça ne sert à rien, il faut juste annuler envoyer ses attaques. Ça fait avancer. Penser un peu au combat contre Ganondorf dans Ocarina of Time. Voilà, il faut le faire plusieurs fois. Avoir, voilà.
de la puissance dans la petite boule en haut pour faire pareil. Faut juste lui renvoyer, faut pas essayer d'avancer. Tu avances justement, tu avances et tu mets ta puissance en haut là dans la boule qui brille une fois que t'as bien avancé. Il disparaît. J'en suis déjà la deuxième fois là que j'ai fait la boule là, je sais pas combien t'en es. Moi je l'ai pas du tout fait la boule encore. Parce que j'ai arrêté d'avancer donc. T'as pas avancé, t'en es à zéro pour l'instant? Ouais. Attends, bah je t'attends, j'ai fait deux fois pour l'instant. Je vois pas du tout où aller cette boule. Faut que tu avances et ça va briller en dessus en fait. C'est sur le pod. Au-dessus du pod. Il m'a bloqué dans un coin. T'es planqué? Non, il m'a bloqué. Ah. Faut que tu ailles au centre de toute façon, là. Enfin, là où il est quoi au final. Ah, c'est bon. Voilà, il faut que tu passes plusieurs voilà, fois. Hop, là, voilà, je viens d'être éjecté pour la deuxième fois. Enfin, pour la première fois. Ok, donc je t'attends. Pour l'instant, je suis en train de. C'est qu'en même temps, moi je suis pas très intelligent, c'est que j'y vais en zoom en fait. Ah, pour essayer de mieux viser, alors que. En fait, il suffit juste de. Plus ou moins être au bon endroit. Ah! Ça recharge quand même cette arme là, je sais pas trop. Oui, c'est. Ouais, quoi que oui, je sais pas où. Aïe, il m'a rebloqué au même endroit. Et des fois, quand il commence à t'agresser, t'es bon pour rester bloqué pendant un certain temps. Aïe. Allez. Et voilà, la deuxième charge. Ok, donc ben let's go pour la troisième. Ah, j'ai été repoussé. Ah non, mais c'est... Ah, c'est... Aïe. J'aime pas quand ça fait ça. Oui, qu'il te repousse une fois et qu'après il te bloque. Ouais. Donc forcément. C'est bon. J'attends pour la dernière. Tu me dis quand tu y es. Je suis en train de charger. Repousser. Tu veux dire repousser ? Ouais. Cinématique. Voilà. Cinématique. Et donc là on a été un peu trop repoussé, forcément on a perdu le contrôle de la frame. No self, no sense, no death. Just a metal puppet dangling on tenno strings. Only the Tenno's death will end your despair. Même pas mal. All your dreadlong life, you've waited for this moment. But you're asking yourself, was I one of these wretched things? You know the answer. You still hate them. You still hate yourself. What is this? Now we fight on two fronts, my child. The war without, and the war within. My child, so beautiful to behold. How do you feel? I'm confused. I thought I was... I know. Forgive me.
This is who you really are, a Tenno. More than human, but once a child like any other. What do you remember? J'en suis au texte. Et là, faut quand même sélectionner après. Ce qui est bien, c'est qu'il nous met les bons skins de Tenno. On reprend pas avec le skin, même si le skin avec la tenue noire était la celle de base. Est-ce que tu compares un peu de ce qui s'est passé ou est-ce qu'on fait d'abord les dialogues et on fait un débrief après? Alors c'est vrai qu'après j'aurais pas forcément le même choix que toi parce que moi je suis en anglais, donc je crois qu'ils sont pas dans l'ordre pareil. Un étudiant, une main tenue dans la mienne bord de Zariman et un combat. Alors une main à bord de Zariman, oui. Bah moi je veux dire un combat parce que de toute façon là c'est pour la sélection de... J'ai pris Zariman moi, mais bonsoir. C'est pour la sélection de l'aspect, mais ça on s'en fout. I remember everyone was laughing outside an airlock. This kid had a boy by the throat. I didn't think it was funny at all. Memories from your time aboard the Zariman 10-0 before the void jump accident. It was years before the ship was recovered. It was drifting dead in space, all her crew gone except the children. Tu me dis. Et ensuite, moi j'ai un deuxième choix. Donc, les choses se produisent pour une bonne raison. Nous sommes restés unis, ils ont essayé de nous aider. Moi je vais mettre le premier. Je n'ai pas entendu les deux dernières. Nous sommes restés unis et ils ont essayé de nous aider. Oui. Je vais rester unis moi. J'ai senti guilty that I was alive. But we could do things. Extraordinary things. Maybe there was a reason we survived. You were so brave. But the Orokin were afraid of you. The void had changed you, and you couldn't control it. No one could. They were about to destroy the orphans of 10-0, but Margulis, she loved you. She found a way. Toi, tu me dis, j'ai l'impression que je suis toujours en avance sur toi, donc. T'es toujours en avance? Ouais. Ouais, bah là, je suis en troisième, oui. Alors, ils ont payé pour ce qu'ils ont. Pour ce qu'ils ont fait, elle a chanté pour nous, elle était brillante, elle était courageuse. Moi je dirais la dernière. La dernière, eh ben, elle est courageuse. She confronted them. Even when she knew what it would cost her. Blinded and sick by her work with us, yet in her heart, stronger than all of us. The Orokin murdered Margulis. Used her work to create transference. Your mind projected into a surrogate. Strong enough to withstand your power. It felt like waking up, but it was just a lucid second dream. Et donc nous avons protégé les innocents, nous avons combattu avec honneur et nous étions sans peur. Moi je vais dire honneur. Je ne sais pas trop. Je ne sais plus ce que j'avais mis à ce moment-là. Je crois que j'avais mis la connaissance, moi, mais je ne sais plus. Je vais mettre ça, moi. We must have known. I remember what it was like to be afraid, to be weak. I vowed never to forget that. Never to abuse what I had been given. I had a code. And so you became Tenno, serving the Orokin, but bound by honor. As the Tenno grew, they founded great schools, the Tenno Ways. Do you see yours? I see a cloud, a gathering storm. The Madurai way. Our path was to engage the enemy, to sweep across our foes before they had a chance to steal themselves. Madurai will be your focus. But we have so much more to do. Here in the Orbiter, transference will be even stronger. Command the warframes. Make whole this shattered world you've given. Voilà. Du coup, je suis prêt pour le dernier choix, je pense. Fait dernier choix. De toute façon, c'est soit recommencer, soit finir. Donc, finir. Et ça t'a donné quoi, toi? De quoi? Ça t'a donné quoi, le bon? Comment ça, le bon? Bah, j'avais mis le. Ça t'a donné ce que. Et après, elle m'a expliqué mon focus derrière. Yes. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'elle t'avait donné celui que t'avais choisi la dernière fois? Ah, oui, oui. Ah, bah oui. Mais parce qu'en fait, non, ils te prennent celui que tu as déjà. Enfin, celui que tu. Tu as déjà pris, ils te refont pas le texte en te disant faudrait, tu peux ah non, non. D'accord.
Donc moi je suis prêt à finir. Moi j'avais parlé du de la gloire du combat et compagnie, donc ça restait. Hop, moi je finis. Voilà, et là ça finit la mission. Pourquoi c'est comme ça, elle nous avait redonné une mission dans son... Ah non, elle nous dit juste maintenant il faut qu'on... Notre mission c'est de continuer à protéger le... À protéger le réservoir. Donc voilà, c'est ce qui conclut la quête du Second Dream. Donc je vais aller faire coucou à mon opérateur. Donc comme vous avez pu le voir dans la cinématique, si vous l'aviez déjà débloqué et que vous refaisiez la mission pour une seconde, troisième, quatrième, 200e fois, vous gardez le skin que vous aviez créé. Ce qui rend la cinématique à mon goût un peu plus agréable à regarder quand même. Que d'avoir une frame qui n'était pas du tout skinnée. Ou alors on l'a skinnée avant, je sais plus. À quel moment on faisait le design. C'est... Le skin avant le dialogue avec le Lotus, tu fais ton opérateur. D'accord, ouais. Donc ouais, on va rester sur une même... Mais bon, là sur le coup on l'avait fait, pas vite fait, mais... Ben, on était pas à fond et on n'avait pas toutes les options non plus. Il n'y avait pas toutes les options, depuis ils en ont rajouté pas mal, donc c'est vrai que ça fait du bien de revoir un avec un vrai opérateur. Un peu plus habillé et tout. C'est mieux. Donc petit débrief de Second Dream qui était donc la première quête cinématique. Et voilà, normalement on donne aussi Broke Noir à ce moment-là. Oui, mais ça... C'est une épée assez pétée. Hop, je vais aller la montrer. Qui est en fait un fragment justement de l'épée que la... L'épée qu'on a fracasse. De la Warframe détruit au moment où on est pris par Stalker. Et ça montre que les Warframes ne sont finalement peut-être pas que des coquilles vides. Donc voilà, non. Et d'ailleurs, quand au final, Unhaw dit tu te détestes, toi, enfin Stalker, tu te détestes, tu détestes ce que tu es, ça prouve qu'il lui aussi est une Warframe en fait. Ouais. Et que lui aussi veut sortir de cette boucle, enfin lui aussi. Que lui veut sortir de cette boucle d'immortalité. Ouais. En éliminant tous les Ténos et potentiellement lui avec. Et donc, une fois qu'on a fini ça, on débloque les focus. Qui sont donc des arbres de compétences particuliers. Beaucoup plus de choses de ce qui s'est passé, pourquoi on s'appelle les Ténos. Parce que voilà, on était dans les Arimantan Zero qui a eu un accident dans le vide. Que les Zorokin, quand ils ont retrouvé le vaisseau, ont été encore vivants et qu'ils ont eu peur. Margulis a pas voulu s'être opposée à l'exécution et en est morte. Et au final, voilà, ils nous ont enfermés dans ces Warframes. Que si je dis pas de bêtises, le O c'est l'équivalent du zéro en anglais. Le quoi, le? Le O. Le O, oui. Au lieu de dire 10-0, ça donnait 10-0. Donc c'est 10-0 ça. Et... C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a gardé ce nom-là, et donc les opérateurs sont là pour contrôler les Warframes à distance et faire le combat à l'extérieur, sachant qu'on ne sait toujours pas ce qu'est le combat à l'intérieur. Alors la thématique de la prochaine quête, c'est on va arriver sous peu au moment où on tourne cette vidéo, The War Within, c'est ça. Voilà. Et si vous regardez pas ça à peu près au moment où on la sort, bah peut-être que sur la chaîne vous trouverez également la The War Within sur le même format. Donc voilà, on a pris d'où viennent les Ténos, un peu plus sur le Stalky, on a découvert les Sentients, on a rencontré Lotus, enfin. Oui. Et très content de l'avoir fait, et j'ai pas pris de screen, mais j'en prendrai moi sur la vidéo. Et après, on a découvert la Lune. Pas son vrai visage, bah, elle a toujours ce masque. Oui, elle a toujours ce masque étrange, mais on est sûr que c'est une humaine quoi. Ah, oui, c'est ça. Ou du moins une humanoïde. Vu qu'on sait toujours pas d'où viennent les Zorokin. Ou quoi, mais ça. C'est une autre histoire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on. Eh bien, non, je n'ai rien à rajouter de plus. Eh ben, nickel. Donc, comme d'habitude. Tout vu dans cette quête. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour voir justement l'arrivée. De la quête The Evil Within, j'allais dire. The War Within, je savais que j'allais faire l'erreur un jour ou l'autre.
The War Within, donc comme ça vous saurez directement quand elle sortira. Nous, dès que la mise à jour sortira, on va la bourrer comme des gros chacos. Et n'hésitez pas également à laisser en commentaire vos questions si on a oublié de préciser un truc, ou vos commentaires, ou ce que vous avez envie de dire. Et sinon, Tenno, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.